Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le 1er novembre 2020, 13h39, heure du Québec. C'est dimanche, une journée assez moche. Hier soir, on a eu une magnifique soirée pour l'Halloween. Un ciel complètement dégagé. On a pu voir cette lune rare, hein? La dernière datant de 1944, où on pouvait voir la lune, de pleine lune d'Halloween de partout dans le monde. La prochaine fois, ce sera dans une trentaine d'années, je pense, où on pourra revivre le même phénomène. C'était formidable, la lune était vraiment magistral, c'était extraordinaire, il faisait beau, pas trop froid. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu moche, il pleut maintenant. Donc, l'Angleterre, Boris Johnson vient d'annoncer un autre verrouillage complet d'un mois. On l'attendait, hein, je vous en avais parlé hier. C'est sûr que c'est frustrant, mais moi, ça m'a pris des décennies à comprendre que casse-toi pas la tête, torture-toi pas avec des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Je vois des gens sur les réseaux sociaux s'enflammer, s'enrager, vouloir destituer un, vouloir destituer l'autre. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fait pas leur affaire, les gens de nos jours sont devenus complètement gaga. N'ont plus aucune notion de rationalité et de contrôle de leur émotion. Ça, c'est gracieuseté due en partie aux réseaux sociaux qui permettent aux gens de s'enflammer, de se pomper, de s'enflammer. Ça ne te donne rien. Moi, ça m'a pris des décennies. C'est que tout récemment que j'ai réussi à comprendre, finalement, que la politique, c'est une perte de temps. C'est là pour diviser les gens. Je m'engueule avec ma femme à tous les jours à cause de la politique. Tu te mets en brouille avec plein d'amis à cause de la politique. La politique, ça doit être mis de côté. Ça doit rester personnel, comme la religion. Tu vas faire ton devoir de citoyen. Tu vas voter. Tu perds, tu prends ton trou, tu avales ta pilule. Puis tu penses à autre chose. La vie tourne, la vie continue. Tu fais tes affaires, ta vie ne va pas se transformer du jour au lendemain à cause d'une décision politique. Celui qui a le pouvoir de transformer ta vie, c'est toi-même. Donc, il est temps qu'on revienne à des... J'espère que ça va retomber, cette poussière-là, puis que cette tension-là va s'alléger. Les gens sont devenus complètement irrationnels, plus incapables de comprendre le fonctionnement de quoi que ce soit. Si on remettait les rênes de la direction de nos sociétés entre les mains de ces gens-là, je peux dire une chose, ce ne serait pas joli. Donc, calmons-nous. La situation, c'est la suivante. Les gouvernements ont décidé, pour des raisons évidentes, hein, de protection d'abord des individus, protection des personnes plus vulnérables, des personnes âgées, des personnes plus faibles, protection aussi du système de santé dans nos pays pour pas qu'il soit surchargé, d'agir devant un virus qui est complètement incontrôlable et virulent. C'est pas un virus de grippe. Je vous ai raconté combien de fois partagé des histoires horribles sur ce virus-là. Vous en connaissez aussi, vous en avez lu. Et on peut rien y faire. Faut attendre et attendre que ça passe. Ça ne donne rien de s'enflammer, ça ne donne rien de vouloir destituer tout le monde. C'est pas comme ça que ça marche. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marchera pas, tu vas destituer un gouvernement. Voyons, c'est complètement illogique. C'est complètement irrationnel. Et ça, une chance que ça vient juste d'une petite frange de nos populations. Là, c'est vraiment banal. Mais ils font tellement de bruit qu'on en parle, puis on a l'impression qu'ils sont plus importants que ce qu'ils sont. Tu comprends? C'est comme la mouche ou le petit maringouin qui vient tourner autour de ton oreille. Il y en a juste un, mais il est fatigant. Comprends-tu? Mais il y en a juste un. Le moustique qui tourne autour des yeux et des oreilles. Tu veux vraiment... Mais c'est juste un moustique. Donc c'est vraiment banal. Une chance que c'est banal, que la majorité des gens sont plus raisonnables, ont plus de contrôle de leurs émotions, ils sont plus rationnels. Mais tu as toujours cette frange-là qui a toujours été là, mais dans des situations comme celle-là, elle est encore plus bruyante, puis elle pense toujours qu'elle a raison, même si elle est toujours à côté de la traque, puis dans le champ. C'est comme les feux rouges, les codes de la circulation routière. C'est mondial, c'est international, on a presque tous les mêmes codes pour qu'on puisse se comprendre. Un feu rouge, c'est un feu rouge, t'arrêtes, t'attends qu'il passe au vert pour continuer. Même si ça t'enrage, même si tu voudrais continuer, t'es pressé, tu penses que la petite minute que t'attends va changer ta vie, t'attends quand même, puis tu ne peux rien y faire. On a décidé que c'était comme ça que ça fonctionnait. Puis si tu
tu ne soumets pas, ben, tu auras une conséquence, une contravention, puis éventuellement une perte de permis de conduire, et ainsi de suite. Puis c'est comme ça, toute la société fonctionne comme ça. Donc, c'est important de rationaliser ça. Moi, j'ai été vraiment trop longtemps, moi aussi, bien excité, conspirationniste, complotiste, tous ceux qui me connaissent depuis longtemps, mais c'est du n'importe quoi. Mais ça, c'est quand t'es pas bien dans ta peau, ça, c'est quand t'as des problèmes. Moi, j'étais dans l'alcoolisme, la rage, de l'incompréhension de comment fonctionne le système. Tu penses que t'es toujours la victime du gouvernement, que tu payes trop d'impôts, puis que patati, puis que patata, puis que là, il y a un parti politique ou un politicien qui va tout changer ça, c'est toute la foutaise. Puis de vouloir blâmer un gouvernement, c'est de la foutaise aussi. Si ta vie est minable, comme la mienne l'était, parce que je n'étais pas content de mon état, de ce que je faisais de ma vie, bien, il n'y a personne d'autre qui va changer ça. Puis les gouvernements sont là, les structures sociales sont là, tu ne pourrais jamais les changer non plus. Donc, ceux qui réussissent à avancer, prospérer, être en équilibre, c'est ceux qui ont compris ça, qui se retirent de la politique parce que c'est une perte de temps. Les lois, les règlements, la structure gouvernementale, sociétale est là. Tu la respectes, tu fais tes petites affaires. Tu ne déranges personne, tu continues ton chemin, tu prends le mieux, tu ignores le pire. Puis tout va bien aller. Puis tu vas être heureux, tu vas prospérer. Parce que de toute façon, les taxes, les impôts sont là depuis le début des temps. Les structures sont là depuis le début des temps. L'autorité est là depuis le début des temps, peu importe quelle autorité elle aurait été, quel visage elle aura pris, quelle forme elle aura pris. Comme dans ton... dans ta demeure, ta cellule familiale, tu vas mettre des structures, des lois, des règlements que tu vas appliquer pour les enfants. Puis ils n'auront pas le choix de s'y plier. Sinon, ils auront des conséquences. Sinon, c'est le bordel. Mais à chaque fois que tu vas mettre une conséquence, que tu vas établir une directive dans la maison, tes enfants vont-tu commencer à dire « Moi, je veux destituer mon père, je veux destituer ma mère parce que ça ne fait pas mon affaire. Je veux un autre père puis un autre mère. » Ça va être pareil parce que quand tu vas ramener un autre père puis un autre mère, tu auras d'autres restrictions puis d'autres directives. C'est comme ça, c'est dans la nature. Puis notre perte de temps, ce qu'on, où on se fait piéger, c'est quand, comme moi, peut-être vous aussi, on perd notre temps à s'enrager après un système, un gouvernement, ou patati, ou une loi. C'est une perte de temps, ça ne sert absolument à rien. Si tu le fais, fais-le de façon légère. Fais-le de façon superficielle. Comme quand tu regardes un match de boxe ou de sport. Tu as une équipe préférée, mais quand elle a perdu, tu fermes la télé, puis ta vie continue. Tu ne vas pas te mettre à rager, puis à faire tourner toute ta vie sur la défaite de l'équipe que tu préfères, ou la défaite du boxeur sur lequel tu avais mis ton espoir de gagner le combat. Il faut revenir à de la rationalité. Puis surtout, il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est nous autres. Toi, qu'est-ce que tu peux faire pour ta famille? Qu'est-ce que tu peux faire pour tes enfants? Le monde qui t'entoure? Qu'est-ce que tu peux faire pour toi-même pour être mieux, pour être meilleur, pour avancer, pour te sentir bien, pour ne plus être dépendant de l'alcool, la drogue, la cigarette, les chips, le chocolat, ou peu importe. C'est ça le plus important. Les autres, ils ne te connaissent même pas. Les politiciens ne te connaissent même pas. Ils t'ignorent totalement. Ils ne savent même pas t'es qui. Primo. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on comprenne ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce qui s'est passé dans mon cheminement, mais il faut que tu en reviennes, comme dirait l'autre. Tu dois en revenir. Puis tu dois prendre de la maturité, devenir adulte à un moment donné, puis réaliser que c'est ton chemin le plus important, celui que tu franchis toi-même, puis qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Puis il n'y a pas un politicien qui va t'amener au paradis. Il n'y a pas un gouvernement qui va t'amener au paradis. Ça fait des milliers d'années qu'on vit dans des structures. T'en as une chez vous. Il faut que tu te plies à la structure. Il ne faut même plus que tu y penses, que ça devienne un organe, puis qu'il vienne pas, qu'est-ce qui ne vient pas te déranger. Puis tu te concentres sur l'essentiel. Toi, ta maison, ta famille, ton environnement proche, qu'est-ce que tu peux faire pour plaire aux gens, pour les aider, pour être plus productif, pas financièrement productif,
en tant qu'individu, dans ton environnement. Être plus constructif. Moi, c'est ça que j'ai fait comme cheminement. Ça m'a pris du temps. Puis plus de 40 ans, toujours à chialer, critiquer, en oubliant que l'essentiel, c'était moi qui devais changer. Donc, je voulais vous passer ce message-là. En ce début de mois, qui arrive vers la fin de l'année, hein, on arrive vers la fin de l'année, puis de réaliser que ça ne sera vraiment pas facile les années à venir, tu as besoin d'être vraiment concentré sur toi-même, sur ce que tu vas être capable de faire pour toi, ta famille, tes proches, parce que tu vas être de moins en moins capable de compter sur qui que ce soit, et encore moins les politiciens et le gouvernement. Je vous reviens avec l'Angleterre, OK?